le plan de match, Yann. Yann Laguna, guide de pêche depuis 15 ans quand même. Hein? Il connaît le lac Saint-Pierre, je pense, pas mal. Fait que je suis pas trop inquiète pour la pêche aujourd'hui. Yann, on va débuter avec quoi ce matin? Ce matin, on va faire du nedrig à la dérive. Fait que c'est une technique où on peut aussi bien attraper le chigan, du doré. Puis le plan de match de la journée, finalement, c'est faire une couple de places, faire des lancers, plein de techniques différentes. Doré, brochet, à chigan. Ouais. C'est ça le plan? Puis avoir ben du fun. Puis avoir ben du fun, ça, c'est sûr que ça va être présent. C'est sûr qu'il va avoir du fun. Fait que le nedrig, c'est ça, c'est une petite bibite comme ça. Ouais. C'est un leurre qui flotte avec un plomb. Ouais. On va le lancer loin en arrière, puis on va le faire dériver. Fait que ça va rester stand-up dans le fond, ça fait une belle petite bouchée facile à pogner pour les poissons. Ça, c'est une technique qu'on peut faire comme ça en dérivant. Ou bien on peut le faire en lançant. Tu le fais, tu gardes ta ligne droite, tu laisses traîner. On est à la veille de le sentir gratter au fond. Oh! Yes, sir! Je ramène ou... Non, ça devrait être correct. À Chigan! À Chigan! Yes, monsieur! Il m'avait reconnu, ben. Il t'avait reconnu. Je voulais que ce soit toi, Caro, qui me pince le premier. La journée commence, hein? Il écoute à rien, ces poissons-là. J'essaie de les éduquer, mais... Bravo. Yes! Good job! Bravo! Quoi? 10 minutes de pêche? Même pas. 10 minutes. 7 minutes. Ouais. On en a manqué un petit peu avant, mais un beau spécimen. Ouais. Fait qu'on va faire une belle remise à l'eau. Absolument. Voilà, elle s'est grandie. Et t'as ma pita. Fish on, messieurs. Toi aussi? Back yes, à back. Parce qu'on a un achigan ici aussi, les loups. Parce que oui. Peut-être bien doré, fait. Au début, j'étais pas sûr des coups de tête, mais là, tu vois, c'est la pouponnière du doré. Hein? Un doré noir dans 8 kilos, c'est pas commun. On remet ça à l'eau, assurément. Un petit bébé juste après l'achigan. Il était venu me gosser tantôt. Regarde dans ça, des beaux petits coups de tête. Il nous fera pas d'acrobatie quand même à Chigan. Je ne penserai pas. Oh boy, j'ai cogné la tête. Oh boy, allô mon beau! Je me fais vraiment rincer par le guide. Mais je t'ai laissé ta chatte avant. Je sais, tu l'as échappé. T'as échappé la grande. Beau doré jaune. Regarde dans ça. Il est là. Oh mon Dieu, que c'est vraiment un bébé à chigan. J'étais déjà poignard depuis le début, je te jure. Oh, Perdu. J'ai perdu ma ligne derrière le moteur, puis c'est défait. Mais tu sais, il était comme petit. Fish him! Sir! Parle-moi de ça! On va essayer de pas... Le laisser aller dans le pied du moteur. Ouais, parce que tantôt, on a vu ce que ça donnait. Il est allé dans le moteur. Ben, il faut que je te montre que je suis humain quand même. Tu sais, quand le Michael Schumacher de la pêche en échappe un, tu te dis, ah, ben écoute, c'est correct. Pas de temps en temps, il gagne. De temps en temps, il gagne. Oh, oh! Oh, oh! Ça sent le doré encore. Oh, un petit doré jaune. Un petit! Yann, oui. Ça fait 15 ans que tu guides sur le lac Saint-Pierre, oui. N'est-ce pas? Jeune et moins jeune. Oui. Puis, dans le fond, tu guides n'importe qui. Oui, des familles, des groupes corporatifs. J'ai déjà eu des groupes juste des filles. Ça en prend? Il y en a de plus en plus, de toute façon, des filles? Pas mal, oui. Quand même, ils sont bonnes. Ah, je comprends. Ils sont meilleurs que le chum. Puis, dans le fond, tu sais, l'expérience, c'est la même chose que ce que je vis moi aujourd'hui, là. Ouais, quelque chose près. Tu peux arriver, pas de canne à pêche, pas rien. Exact. Juste ton lunch, puis ciao, on est parti. Ton lunch, de la bonne humeur, être prêt à se faire du fun, puis that's it. Au revoir. On change d'espèce? Oui, on s'en va taquiner le brochet. Ben voilà. Fait que
tout le long de la belle grande baie Saint-François. C'est une belle baie herbeuse avec un petit peu de courant. C'est un beau petit spot. Fait qu'on va juste lancer nos différentes présentations proches des herbiers. Uh-huh. Pas dans les herbiers? Bien sûr. Proche de? Oui, toi, c'est une chance, mais elle l'a dit. Et puis, on va voir si on est capable de lever un ou deux beaux brochets. Là, le soleil vient de sortir, c'est plus propice à ça aussi. Voilà. Wow, et voilà, il est là. Eh. Oh, mais regarde-nous ça! Et voilà! Bon, et ça n'a pas été long, hein? Deuxième lancé. Deuxième lancé, un brochet pour Yann. Pas si mal. Écoute, je suis pas gênée. On va l'emmener de l'autre bord si tu peux, mais de toute façon, peut-être bien qu'il ne sera pas d'accord, lui. Ça se peut qu'il est celui qui mène. Et un bon beau garçon. Et mon loup. Oh! Yeah! Yeah! Wouhou! Crème, c'est pas super pour commencer, tu sais. Yes! Allez, tu peux y aller. Et voilà. Oui. Woohoo. Yes, sir. Fish on, messieurs, dames. À la maison. Ça ressemble à tantôt, je te dirais. Oh, ben. On est pas mal à la même place. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. Ouais. La même excuse. Bah, yes. Here we go. Même un petit peu tantôt, je te dirais. Ouais. Pourtant, il a cogné solide. Solide. C'est pas gros, mais ça donne des coups. Et là, là, tout ça. Oh non! Un achigan! Il est là! Un petit achigan. Mais c'est un achigan quand même. C'est l'autre. Oh! Quel autre beau. Il a pas l'air d'accord avec toi, hein? Non, il s'essaye, là. Il a beau s'essayer. On va le sortir. Oui, avec le moteur. Voilà. Oui. Yes, sir! Et voici. Je l'ai ramené, celui-là. C'est un peu comme celui que j'avais perdu ce matin. Ouais. T'appelles? Petit bébé. Bébé. Bébé achigan à petite bouche. Était long, 12 secondes pour vrai. Merci Caroline d'avoir trouvé le petit laboureur. Grand plaisir, c'est toi qui l'as mis. Il est déjà. Tout petit, mais c'est pas tant grave que ça. C'est un poisson quand même, c'est un petit doré. Doré noir. Doré jaune. Joli. Beau travail, chef. C'est le fun avec cette technique-là, par exemple. Ils sont toujours bien piqués, on les abîme pas. Ils sont juste sur le bord de la bouche. Un autre, monsieur, c'est l'orange. Hein? Ouais. Tout est dans l'orange. Trop bien qu'on ait un petit doré. Pas mal serpent, pas mal aussi. Serpent. Allez, voilà, il est là. Hop, parfait. Merci, mon beau. Oui! Oh, yes! C'est un petit doré. Oui, il est un petit, par exemple. Hein? Ils ont pas de l'air malade. Non, pas du tout. C'est pas du doré blanc pâle, là. Ils ont des belles couleurs, hein? Vraiment. C'est moins foncé que dans le nord, mais... Non, mais quand même. Ça va bien, nos affaires, hein, quand même? Pas si mal. Pas si mal. Déjà, 3-4 brochets qu'on a eu. 4-5, même, je pense. Ouais. Depuis le début. 2-3 achigans. Oui. Quelques beaux dorés aussi. Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Là, j'aimerais ça peut-être essayer de faire un petit peu différent. Oui. Puis on va essayer d'aller trouver des achigans un petit peu plus... Plus balèzes? Oui. OK. Même technique ou autre chose? On va sûrement faire du nedré comme on a fait un matin, mais là, on va aller faire du senko aussi. Changer le spot, puis ça veut. Ça veut mordre ici. Veux-tu y aller? Un petit achigan! Il est venu pêcher pas loin de Saint-Anne-de-Sorel. On cherche du bass. Regarde ça. Oh, c'est une belle! Oh, oui! Tu te rapproches-tu de l'épuisette de toi, machin? Je vais arrêter d'être omnibulé. Oh, wow! C'est vrai que c'est du joli, ça. Ouais, elle est plus jolie, celle-là. Ouais, hein, plus que l'autre d'avant. Viens t'en, ma cocotte! Mon bel achigan! Viens-t'en! Yes! Hey, wow, bravo! Là, on commence à jaser. Yes! Bel job, hein? Yann, on a respecté le plan. C'est quoi le plan au départ qu'on s'était dit quand on a pêche multi-espèces. Voilà. Doré, brochet et achigan. On a eu les trois. Oui. On a eu de toutes les tailles. Oui. Bon, évidemment que tu as eu le bel achigan de la journée. Bon, j'ai été chanceux. Oh, il y a peut-être un peu de talent là-dedans, je pense.
Écoute, journée splendide, vraiment, vraiment contente. Merci. On est bien heureux, on a eu la météo pour nous. En plus. Moi, je suis vraiment ravie de t'avoir accueilli sur mon bateau. Et tu sais quoi? Je pense qu'on va revenir. On n'aura pas cher à revenir. Peut-être un petit peu plus tard en saison, là, ouais, j'irai on pas pourrait ça. Faire ça, peut-être une petite shot à cet automne. Une petite espèce, mais automnale. Exact. Très cool. Merci, Yann. Merci. Ça fait plaisir.